On sait pertinemment que la meilleure des réponses, et au fond la cave de la Nièvre en vous accompagnant illustre bien cela, c'est d'avoir des réponses au plus proche des besoins des citoyens qui vivent sur des territoires. Vous l'avez indiqué, nous sommes dans un département rural. Évidemment, la problématique n'est pas tout à fait la même, même s'il y a des points communs, bien évidemment, qu'en plein cœur de grandes métropoles. Et effectivement, l'efficacité de la future convention d'objectifs et de gestion se mesurera. Certes, il faut créer des places, je vais vous dire pourquoi, mais aussi se mesurera à la satisfaction ou à l'augmentation de la satisfaction apportée aux parents dans leurs demandes. Et vous l'avez formulé. Et le fait de mettre en expérimentation, et j'espère que cela se transformera en chose permanente, cette réponse, en particulier à des horaires atypiques. On dit aujourd'hui atypique, mais il y a de plus en plus de nos concitoyens qui travaillent dans des secteurs qui ont des horaires, alors on peut dire atypiques, décalés, ce que l'on veut, mais en tout cas, les modalités de travail ont beaucoup évolué et nous devons être en capacité, au travers des collectivités, mais aussi de l'État, d'apporter des réponses qui sont des réponses au plus près de la demande des parents. Donc ça, c'est un premier point. Donc, Évidemment que l'expérimentation que vous faites avec cette réflexion d'aller chez les parents pour répondre au plus près de la demande de garde et d'accueil est une bonne réponse. Je ne citerai pas la ville, je suis allée dans une très grande ville où ils ont fait le choix d'une crèche ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, je l'ai visité, il y avait là aussi, vous parliez de personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, j'ai rencontré des mamans qui travaillaient dans des maisons de retraite et qui étaient particulièrement sollicitées le week-end. Je ne suis pas sûre que pour les collectivités, pour l'efficacité des parents, la réponse de la crèche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soit la meilleure des réponses. Parce que, d'abord, c'est d'un coût pour la collectivité qui est considérable, et qu'au bout du compte, je ne suis pas sûre que ça soit aussi le mode le plus satisfaisant pour les parents. Donc, il faut faire preuve d'inventivité, de créativité, d'innovation, de définir des principes aussi, parce que vous aviez raison de dire, c'est pas du babysitting. Et vous avez raison, et ça sera un des objectifs de la convention, que d'insister et de voir de quelle façon on pourra mobiliser, y compris la région, sur la formation professionnelle et l'intensification et le développement de la professionnalisation de tout ce qui tourne autour de la petite enfance. Car il y a cette exigence, vous l'avez formulée en tant que parent, d'avoir une qualité non seulement de l'éveil, de la sécurité, bref, ce que l'on demande traditionnellement dans une crèche collective, on veut aussi l'avoir lorsque la structure n'est pas la crèche collective. Donc, bien évidemment que ces expériences sont à encourager, et j'ai envie de dire, pourquoi il faut que nous définissions cela, pas simplement à l'échelle des territoires, mais de façon plus générale, nationalement, c'est que je regardais le taux moyen d'accueil dans la Nièvre. Bon. On sait qu'en France, les écarts vont de 8% dans certains départements à 80% dans d'autres. Et la Nièvre est à un peu plus de 50%. Je dis sur l'ensemble du territoire, hein, de la Nièvre. Bon. Donc, C'est déjà un effort substantiel. Mais en tant que, justement, responsable de l'État, nous ne pouvons pas, et vous imaginez, votre entreprise, ou pour des raisons professionnelles, vous changez de département, vous allez avoir le même souci de faire garder vos enfants, vous ne pouvez pas vous retrouver dans un département ou dans une commune dans laquelle il n'y a absolument aucune possibilité de mode de garde. Donc, pourquoi je dis cela ? Parce que c'est l'angoisse, je dirais,
relative, mais des CAF, de se dire comment nous finançons, à quelle hauteur, jusqu'où et pour faire quoi. Et bien évidemment que plus nous sommes, au fond Gaëtan Gors applique ce que François Hollande a dit lors de sa conférence de presse, qui est le dépenser mieux, c'est vraiment ça, c'est-à-dire réfléchir sur ce qui à la fois vous satisfait et en même temps est assumable par les collectivités qui ne sont pas non plus des puissants fonds. Donc ça, c'est un premier élément, et que vous y soyez totalement associés, nous avons quand même des références communes sur la vertu de la participation. J'entendais, madame, vous disiez que les institutions ne pouvaient pas tout, c'est vrai, vous avez raison. Mais qu'en même temps, on sait qu'aujourd'hui, les solutions les plus efficaces, c'est celles qui sont construites avec vous. Je le dis très clairement. Les élus qui pensent qu'ils savent tout,